Ok les gars, nous sommes de retour, on est sur Windows 7 bien sûr. Alors j'ai mis le disque de Windows 8.1, comme là. Alors le bout de la boîte est cassé, donc je suis obligé de tenir comme ça. Allez. Windows 8.1 Pro. Donc maintenant, vu qu'on va pas faire un upgrade, parce que faire un upgrade ça va être un peu chelou. Et what, pourquoi il y a clavier visuel ouvert? What the hell? Redémarrer. Allez, c'est parti. On va spammer F12. On va spammer F12. Ok, c'est bon. Donc, on va sélectionner CD-ROM. On va sélectionner le premier, bien sûr. Channel 0. Attendez, je vais faire comme ça. Comme ça. Press any key to boot from CD ou DVD. Ah, regardez le bon écran de démarrage de Windows 8 et de Windows 10. Attendez, je baisse un petit peu la luminosité, je peux. Et voilà, là vous voyez mieux. Bon, je crois que ça démarre là. On a eu attendu, je crois, 2 minutes hein, avant que ça arrive là. Mais bon, c'est quand même assez rapide, 2 minutes pour un vieux PC. Alors maintenant, faire installer maintenant. Nous allons voir si on va pouvoir mettre Windows 10 sur ce truc. Alors, je sais qu'il y a Windows 11 qui est sorti le 5 octobre 2021. Enfin, au moment là où je filme, c'est un mois plus tard avant les autres clips. Hein, parce que j'ai pas vraiment eu le temps avant. Alors, ça fait un mois que je reprends là. Je suis obligé de mettre la clé là. Voilà, j'ai entré la clé, donc on va faire suivant maintenant. J'accepte votre licence. Personnalisé. Ça, c'est bien sûr, c'est supprimé. Il faut combien de gigas? 9 gigas, d'accord. Donc ça, nous allons formater. On va pas faire actualiser comme une fois j'avais fait la dernière fois en me trompant. Nous allons bien, bel et bien, nous avons bien formaté. Donc maintenant au fond, on fait suivant et ça installe. Donc là, on va le laisser faire et on se retrouve tout à l'heure quand c'est terminé. Allez, à tout à l'heure les amis. Je vous fais un petit accéléré avec de la musique. Allez, go!
Voilà, ça l'a fait enfin. Ça fait 19 minutes que je filme et là, ça s'est installé. Voilà. C'était vraiment rapide, hein. Attendez, on va choisir une couleur. Allez, on va faire la couleur de la chaîne, le turquoise, voilà. Et on va l'appeler Win 2K 10. Voilà, suivant. Utiliser la configuration rapide. Vérification de la connexion. Vous allez ensuite configurer votre compte. Non, je veux pas configurer de compte. Non, non, je veux pas de ce compte personnalisé. Oui. Ne pas configurer Windows Update. Suivant. 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 Oh là là. Créer un compte local, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Je m'appelais Victor, parce que moi je m'appelle Victor. Voilà, on veut pas de mot de passe, parce qu'on s'en fout. À chaque fois je cherchais genre créer un nouveau compte, tout ça, tout ça. Donc là nous avons le message bonjour. Nous préparons votre système. Vous pouvez obtenir de nouvelles applications à partir de Windows Store. Ah, installation de nos applications, d'accord. Attendez, j'ai oublié de prendre ma clé USB. Vous savez, ou avec Snappy Driver Installer. Installer. Elle était où déjà? Attendez, je vais la chercher. Lancez-vous. Donc là, je crois que ça va être prêt. Et oui, voilà! Nous avons notre bureau de Windows 8.1 prêt! Et voilà, là c'est super! Il n'en reste plus qu'un système quoi! C'est vraiment. On est vraiment proche de Windows 10. Ouh, wow. J'allais dire, c'est quoi ça? Bon, c'est le disque. Attendez, on va l'enlever. Éjecter. Ok. C'est encore une fois un DVD-RW. Je sais pas si vous voyez. Hein? DVD-RW. Bon. Attendez, je vais mettre ça dans la boîte là, vite fait. La boîte elle est cassée, comme je vous l'ai dit. On va installer les drivers d'abord. Attendez, ça je le mets de côté. Voilà. Cette fois j'ai pas une clé USB, mais en change j'ai un disque dur externe. Et à mon avis, ça doit marcher aussi. Parce que j'ai déjà installé des drivers dessus sur d'autres PC avec. Vas-y, on va me brancher ça. Est-ce qu'il détecte? Ah, ça devrait rencontrer un problème. Analyser. Analyser, allez. On va analyser. Pourquoi pas? Voilà, aucune erreur n'a été détectée. Maintenant, nous allons ouvrir.
ce disque Toshiba 500 Go, et là c'est tous les jeux que je vais installer plus tard sur d'autres ordi à moi. Sniper Driver Installer est là. Donc là on va bien exécuter celui-là. Pour l'instant il n'y a pas de son, mais c'est pas très grave. Je crois qu'on l'aura hein, bientôt le son. Après qu'on a installé les drivers. Oui, Windows 8.1 64 bits. Comme c'est marqué ici là. Ici. Autoriser l'accès. Voilà. Donc là, on a des pilotes non installés là. Ouh là, il y en a quand même pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait là? Sélectionner tout. Installer. Wow. Pourquoi échec? Pourquoi échec? Attendez, un problème dans l'explorateur Windows? Oh putain, il s'est débranché. Attendez. Je mets ça sur la boîte de l'ordi. Voilà, là normalement ça doit marcher. On va attendre qu'il apparaisse ici. Attendez, attendez. Actualiser pour voir. Non, toujours pas. Il n'y a pas éjecté? Non. Regardez, il n'y a rien. On va réessayer, sélectionner tout et installer. Non, toujours pas. C'est toujours pas branché, bizarre. Fermé. Non, ça n'a toujours pas détecté. Attendez, je vais brancher ça sur un autre port pour voir. Ah, voilà, enfin. Après 1 minute, il l'a détecté. C'est bon. On va recommencer pour voir maintenant. Alors, Snipy Driver Installer R2102. Allez, on réessaye. Par contre, cette fois, on va pas sélectionner tout, on va sélectionner ce qu'on a besoin. Donc, déjà ça et ça. USB, on n'a pas besoin. Processeur, on a besoin. Ça aussi. Et on va faire ça. Et ça. Voilà. On va faire installer et on va laisser faire. Parce que là, ça fait 33 minutes que je filme. Et je crois qu'au bout de 40-50 minutes, ça va arrêter. Donc là, je fais un petit cut et on se retrouve juste avant le démarrage, une fois que les drivers sont installés. A tout à l'heure, les amis.